Bonjour les amis, voilà le cuistot. Il est en train de préparer les pâtes à la carbonara avec des snackies. Il a mis la crème fraîche. Johnny, t'as mis les snackies. T'as mis le beurre d'abord dans les pâtes. Oui, j'ai mis le beurre d'abord dans les pâtes. Après, j'ai mis des snackies et la crème fraîche. Et maintenant, là, je suis en train de tourner. Voilà. Et puis, il y en a de partout. Voilà la préparation des pâtes à la carbonara façon mon fils. L'an dernier, ça sera les gruyères. C'est pour ceux que, franchement, c'est. Ben. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter des lardons. C'est une recette simple et rapide. Qui peut faire s'acheter des snackies ou. Vous pouvez mettre aussi du jambon de dinde si vous. Voilà. Vous pouvez manger comme vous voulez. Ça prouve que moi, on n'a pas besoin de lardons sans arrêt dans les pâtes à la carbonara. Et ça change que les lardons. Voilà. Et puis c'est les pâtes qu'il a mangées au boulot. Ah, ils vont les autres. Voilà. J'espère qu'ils vont aimer, ma famille. Voilà, et en dernier, il va mettre le gruyère. Pour finir. Et après, ça sera sur la table. Et ça sera bon à manger. Ouais. Vous voyez, c'est une sacrée cocotte. Mais on est 5 dans la famille, c'est pour ça. C'est des pâtes de 1 kg. Bon, moi, je mange pas trop de pâtes, mais. Je vais goûter quand même la recette de mon fils parce que il a voulu la faire. Je vais mettre de la gruyère. Voilà. Moi je vous fais voir ce qu'il fait. Monsieur chef cuistot. Comme ça, on ne pourra pas dire que. Hier j'ai pas filmé les pâtes qu'il avait fait, mais il a fait exactement pareil, sauf qu'il a fait avec les lardons. Voilà. Ben, la bonne humeur, vous la voyez derrière. Elle arrive toujours quand il faut pas. Voilà. Salut. Voilà, elle embête le cuistot. Voilà. Eh ben, tu dis au revoir aux abonnés. Et merci d'avoir regardé cette petite vidéo, les abonnés. Au revoir. Et puis, à ce soir, ceux qui viennent sur le live de Guigui, s'il en fait un. Bisous. Bisous.